Et donc pour la troisième et déjà dernière table ronde de cet après-midi, qui s'appelle « Jouer à se faire peur, l'aventure collective », j'appelle sur scène donc Damien Mécheri, tu peux monter Damien, et Dolly Wood, donc qui est créatrice de contenu. Et nous allons avoir à distance, puisqu'elle n'a pas pu être dans la salle avec nous aujourd'hui, mais qui devrait se connecter en visio, Laura Goudet, qui est maîtresse de conférence en linguistique anglaise à l'université de Rouen-Normandie. Si la régie peut nous faire la connexion avec Laura. Elle est juste là. Bonjour. Bonjour. Bonne table ronde. Bonjour. Bien. Bonjour. Est-ce que tu nous entends, Laura? Oui, oui, très bien, oui. Parfait. Donc, bonjour d'Hollywood. Bonjour. Et rebonjour Damien. Bonjour. Donc la troisième table ronde, comme l'a dit brièvement Michel André, va s'intéresser à ce qu'on appelle, ce qu'on a intitulé l'aventure collective, c'est-à-dire les rapports de groupe entre la peur et le joueur, qui passent notamment par certaines barrières à l'écran et tout le phénomène du streaming qu'on va essayer de détailler tranquillement. Mais c'est aussi tout un objet de la peur sous une veine plus fantaisiste. Jusqu'à présent, on a beaucoup évoqué des choses très, très premier degré, voire parfois un peu glauque, avec les jeux mentionnés. Mais évidemment, la peur, ce n'est pas que ça, c'est aussi des figures d'amusement, parfois à destination d'un jeune public. On ne va pas revenir sur les fantômes de Luigi's Mansion ou par exemple la sorcière rigolote de Banjo-Kazooie, parce que voilà, tout le monde connaît à peu près ces exemples. Mais ce qui est plutôt intéressant de creuser, c'est l'idée de proximité entre la comédie et l'horreur, qui obéissent parfois toutes deux à des mécaniques semblables, en rétention de temps, de malaise qui peut éventuellement déboucher sur un rire ou un cri pour les plus effrayés. Et évidemment, la troisième partie, comme je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure quand quelqu'un du public l'a demandé, tout ce qui est rapport à l'échec et au sentiment d'échec et de mort propre aux jeux vidéo. Pour commencer, je propose qu'on s'intéresse d'abord à la pratique du streaming et à ce que ça fait au niveau du rapport qu'entretient chaque joueur et chaque joueuse à la peur. Donc on a de la chance d'avoir Dollywood avec nous aujourd'hui. Sur Twitch, tu as l'habitude de mettre en avant beaucoup de jeux assez différents, assez divers, notamment un jeu qui s'appelle The Room 2 récemment, qui n'est pas très connu. Mais tu t'intéresses aussi à d'autres types de fiction horrifique. Tu diffuses notamment des épisodes de Faites entrer l'accusé. Absolument, tout à fait. Donc deux questions en une. La première, c'est comment tu sélectionnes tes jeux d'horreur ou climat horrifique. Et deux, pourquoi mettre, semble-t-il, sur un pied d'égalité des jeux d'horreur et des fictions horrifiques comme des émissions de télé? Alors, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est une très mauvaise façon de se vendre. Mais il n'y a absolument aucune colonne vertébrale dans ce que je fais. C'est-à-dire que, en fait, le but initial, c'est toujours de communiquer avec les gens. Donc, en fait, il y a des choses qui viennent et qui sont proposées. Et après, ça me plaît ou non. Pour le choix des jeux d'horreur, soit c'est des goûts personnels. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui m'intéressent avec des thématiques qui me parlent... ou aussi esthétique, tout simplement. Plutôt, effectivement, dans les jeux indés, pas exclusivement non plus, hein, mais c'est vrai que j'aime bien l'approche un petit peu plus modeste, on va dire, en termes de moyens. Ça se retrouve aussi beaucoup dans mes goûts, par exemple, en termes de cinéma. Pour moi, il y a une porosité clairement entre les deux, de toute façon, parce que je parle aussi pas mal, d'ailleurs, de cinéma d'horreur, aussi sur ma chaîne. Et une autre possibilité de choix de jeu, c'est qu'on m'offre les jeux. C'est-à-dire que, en fait, il y a pas mal de gens, en fait, mine de rien, qui ne se sentent pas de jouer aux jeux vidéo d'horreur, mais qui s'y intéressent quand même. Et je trouve que le streaming permet justement de toucher toute une partie de ces personnes qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas d'y jouer, même qui physiquement, enfin voilà, ou psychologiquement, c'est très difficile. Là, en fait, ces gens-là m'offrent les jeux en disant, bah tiens, j'ai vu ce truc-là, ça a l'air marrant, j'aimerais bien t'y voir y jouer. Ou alors la thématique m'intéresse, moi je pourrais pas y jouer, mais par contre, bah, si ça te dit, on le fait. Ou alors aussi simplement, j'ai envie de te voir le streamer parce que je pense que ça peut être très sympa de le faire avec tout le monde. Donc il y a vraiment, en tout cas, ça c'est vraiment hyper important pour moi, c'est que c'est pas juste moi qui joue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une expérience collective justement. Parce que ça, moi, je l'ai déjà beaucoup expliqué, c'est que moi, je joue pas du tout aux jeux d'horreur seule. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors je sais que c'est faux, mais j'ai quand même l'impression que ma peur ne sert à rien quand je suis seule. C'est-à-dire que, en plus, je l'exprime pas du tout de la même façon. Faut savoir que je suis très expressive en live, c'est-à-dire que je crie très facilement, je suis pas du tout imperméable à tout ce qui est jumpscare, etc., malgré mon expérience de l'horreur, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. Je suis encore très très bon public. Donc ouais, de ce côté-là, il y a vraiment la notion de... On est ensemble, c'est effectivement moi qui joue, mais il y a quand même des choix qui sont faits par certaines personnes dans le chat. Il peut y avoir des sondages, des choses comme ça. Le fait de le mettre... Alors, je dirais pas que je le mets au même niveau que, par exemple, Faites entrer l'accusé. Ça s'est présenté parce qu'en fait, on en parlait, puis on s'était dit, tiens, est-ce que... Bah, on ferait pas des réacts à Faites entrer l'accusé parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dedans. En fait, on constate quand même après la même chose, c'est-à-dire que il se passe des choses potentiellement parfois horribles, souvent hein, quand même dans les deux cas, dans des jeux d'horreur comme dans Faites entrer l'accusé. Mais ça permet d'amorcer énormément de sujets en fait. C'est aussi un temps que je n'hésite pas à prendre. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on est... Enfin, voilà, encore une fois, le jeu, je dirais pas qu'il est secondaire, mais si mon seul intérêt c'est de jouer au jeu, bah, je le fais toute seule dans ces cas-là en fait. Donc, j'hésite pas effectivement à faire des pauses et à expliquer. Et c'est la même chose effectivement dans les Faites entrer l'accusé. Quand il y a énormément de problèmes en termes de police, en termes de justice, en termes d'expression, parce que c'est une émission qui commence à être assez datée. Donc, il y a des gros problèmes d'homophobie, de misogynie, etc. Et ben, c'est des termes qu'on aborde aussi. Et pour moi, l'horreur, elle permet aussi d'aborder des thèmes comme celui-ci qui sont... de toute façon, de façon inhérente, horrible, en fait, de l'horreur. Justement, tu dis que tu n'aimes pas jouer aux jeux d'horreur seul, parce que ça veut dire qu'il y a des gens, évidemment, qui te regardent en train de jouer. Mais il me semble que dans le vocabulaire courant, la plupart des gens qui regardent quelqu'un en live en train de jouer auront tendance à dire qu'ils ont fait le jeu. C'est une expression qu'on retrouve de plus en plus souvent. On dira, même parfois sur un ton ironique, « Ah, j'ai pas le temps de jouer à tel jeu, mais c'est pas grave, je le ferai sur YouTube quoi, ou sur Twitch. » Un peu comme certains, on en connaît peut-être, qui partent en vacances et puis qui ont l'illusion d'avoir connu le pays de fond en comble. Alors ils vont dire, ouais, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Mauritanie. Bon, en réalité, ils n'ont rien fait du tout. C'est une façon d'acter un rapport au voyage direct, alors que la plupart du temps, ils sont restés à l'hôtel. Sur cette idée, justement, de faire ou de ne pas faire, et l'illusion de l'action, pour reprendre un parallèle plus scientifique, Laura, tu as justement travaillé sur l'idée du vacillement identitaire, qui renvoie au concept de l'inquiétante étrangeté appliquée au domaine de l'art. Au fond, quand on regarde un jeu d'horreur en streaming, quelle est l'identité première de la personne justement qui regarde? Est-ce qu'on peut parler d'actant ou de spectateur, d'après toi? Alors, moi, je suis quand même un peu perplexe vis-à-vis du fait que quand on regarde quelqu'un jouer à un jeu d'horreur, quand on expérimente la peur aussi, bah, on fait un peu partie quand même du truc, quoi. Alors que faire le Sénégal, faire l'Espagne, je ne sais quoi, là, bon, y a un côté, on a vu hein, une partie pour un espèce de tout qu'on peut essentialiser. Je ne dis pas qu'on fait tout le jeu si jamais on regarde quelqu'un streamer, mais... je sais pas, il me semble quand même qu'il y ait quelque chose de l'ordre de on y va ensemble, il y a une connivence. Enfin, je pense que, je veux dire, Dolly, si tu streames, c'est comme ça, toi, tu n'es pas seul, mais eux aussi ne sont pas seuls, en fait. C'est exactement ça, ouais. Échange, je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin... Bah, en fait, là, je trouve que finalement, on revient un peu à un débat. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent parce que c'est un peu comme dire, bah, du coup, les gens qui écoutent des audiobooks, ils n'ont pas vraiment lu le livre, alors que si, en fait. Ouais. Enfin, du coup, je pense qu'on a, je pense en tout cas, dépassé ce stade de penser que sur Twitch, les gens sont extrêmement passifs, en fait. parce qu'il y a vraiment une notion de déjà d'accompagnement, c'est-à-dire que moi j'attends les gens, que les gens me soutiennent. Parfois, ils se moquent de moi aussi quand je crie très fort et quand je dis n'importe quoi, quand je suis stressée, c'est normal. C'est ce que j'attends aussi, parce que quelque part, ça me soutient. Donc, je dirais que, ouais, j'ai vraiment la sensation... Je sais pas à qui ça importe vraiment de savoir si la personne y a joué ou l'a regardé, puisqu'en fait, en définitive, la personne peut quand même parler du jeu. Elle va quand même être en mesure, en tout cas si on imagine qu'elle l'a vu de bout en bout, mais il y a vraiment un intérêt. Il y a même un intérêt aussi très fort pour les personnes qui ont déjà fait le jeu et qui m'y voient y jouer, sur certains jeux, notamment très narratifs, où il y a des embranchements qui peuvent être très différents. J'en veux pour preuve, là, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais j'ai commencé récemment Baldur's Gate 3, voilà... On sait ce qu'on en pense, beaucoup de gens y ont joué, beaucoup de gens ont passé jusqu'à parfois 1000 heures sur ce jeu, et ils découvrent quand même encore des nouvelles choses. Donc pour moi, en fait, il y a une façon de faire vivre le jeu vidéo aussi d'une façon différente, c'est-à-dire qu'il y a une notion de rejouabilité sans avoir forcément à relancer le jeu. Donc je pense que cette question de passivité, c'est un peu un faux problème, et je serais curieuse de savoir les gens pour qui ça a une vraie importance de savoir est-ce que tu as vraiment touché la manette ou pas, parce qu'on a tous et toutes expérimenté le fait d'être dans le canapé avec quelqu'un qui joue à un jeu, et où moi j'ai parfois eu l'impression d'être vraiment celle qui tenait la manette aussi, quoi. En fait, c'était pas tant une question de légitimité ou d'intérêt à faire le jeu, mais plutôt un rapport à l'action plus personnel ou indirect. D'ailleurs, c'est pour ça que la question à la fin elle était ouverte. Est-ce qu'on est plutôt actant ou spectateur? Tout à l'heure, on évoquait le cas de Last of Us Partout. Si on regarde une cinématique du jeu, on peut le faire chez soi, à plusieurs, peu importe. En revanche, les parties de combat et donc le gameplay où on combat, on va dire, bon, voilà, maintenant, Ellie, notre personnage, voilà. Les combats d'avatar, en fait, l'interaction, si on regarde la vidéo se diffuser sous nos yeux ou si on y joue, le sentiment d'implication n'est pas le même. Voilà ce que je veux dire. Donc je dis que ça, en fait, ça dépend des jeux, me semble-t-il. Et c'est pour ça que je demandais, c'était plutôt... Oui, vas-y, Laura, tu veux réagir? Ouais, j'ai un truc, ouais. En fait, en Game Studies, j'ai des collègues qui n'imagineraient pas ne pas jouer au jeu de NES, sur une télé cathodique, avec un espèce de vieux setup, machin. Et moi, en fait, j'ai pas le temps de jouer à tous les jeux sur lesquels je travaille, en fait. De la même façon, j'ai des collègues qui sont spécialisés en speedrun ou des choses comme ça. On va pas attendre d'eux que eux-mêmes speedrun les jeux, en fait. Donc, ils vont étudier des performances qui valent absolument le fait de les avoir regardées, étudiées. Ils ont les connaissances théoriques derrière. Moi, je n'ai pas le temps de faire tous les embranchements de tous les jeux qui m'intéressent. Donc, il m'arrive de faire un truc et puis d'aller voir un tel derrière. Et puis, c'est tout aussi légitime, en fait. Bien sûr, non, mais encore une fois, ce n'est pas une question de... Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de différence, effectivement, entre jouer avec son grand frère, jouer avec... Justement, est-ce qu'on joue quand on est en backseat avec quelqu'un dans la même pièce? Est-ce qu'on backseat si on est aussi sur un chat et on peut réagir avec des emotes? Et puis alors, il y a quand même un truc d'action, quoi. Ouais. Et c'est même pas toujours du backseat, c'est-à-dire que, parce que backseat c'est particulier, c'est vrai que du coup ce seraient des gens qui participeraient. Il y a une, en plus c'est fin en fait comme limite entre accompagner quelqu'un mais pas lui donner non plus les solutions, mais du coup je sens que les gens cogitent quand même. Tu voulais peut-être dire quelque chose? Pas du tout, non. Okay. Mais du coup, je pense que oui, il y a aussi la question de l'accessibilité, tout simplement. Sur la motricité, c'est pas forcément toujours accessible à tout le monde de faire certaines actions ou de jouer à certains jeux. Je trouve ça très bien d'avoir quand même la perspective que ces jeux-là ne soient pas complètement perdus pour tous les gens qui physiquement ne peuvent pas y jouer. Et du coup, on a ce truc-là. Il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à regarder des jeux d'horreur, même quand c'est pas elles et eux qui jouent. Donc ça reste compliqué. Mais ouais, je trouve ça intéressant de voir à quel point, en fait, il y a quand même une action qui est faite juste en regardant, quoi. Bien sûr, oui. De toute manière, ce n'était pas pour mettre en cause la légitimité, puisque si on en parle aujourd'hui, c'est évidemment qu'on considère que c'est une légitimité tout à fait établie. C'était plutôt pour essayer de trouver une frontière, si on pouvait la qualifier, entre le fait de jouer, le fait de regarder, donc le sentiment d'appartenance au jeu. C'est pour ça que je parlais d'actant ou de spectateur. C'est pas, par exemple, Damien, je crois que tu es plutôt partisan de jeux solo, on va dire, une pratique plutôt traditionnelle. Encore plus dans le cadre d'un jeu d'horreur, donc c'est pour ça que j'écoute la discussion là avec beaucoup d'attention, parce que ça ne correspond pas du tout à la manière que j'ai moi de consommer, pour prendre un mauvais terme, le jeu vidéo. Et là, vu que le sujet aujourd'hui c'est la peur, je l'ai toujours vécu comme quelque chose de très intime. Après, je comprends parfaitement les personnes qui ne peuvent pas même physiquement se lancer dans un jeu. Donc d'avoir une expression du jeu par procuration, ça peut être aussi justement quelque chose de très intéressant, de discuter de ses peurs de manière collective et tout. On va y revenir. Moi justement, cette dimension collective du rapport à la peur, je l'ai après l'expérience vécue dans le jeu. Donc dans le cas de Silent Hill par exemple, notamment, je sais que j'ai passé je sais pas combien de milliers d'heures à discuter avec des gens sur des forums à l'époque pour essayer de décortiquer le jeu, de réfléchir sur ses symboles, sur ce qu'il a exprimé, ce qu'on a ressenti, ce genre de choses. En revanche, à la base, l'expérience, moi je veux la vivre seule dans le noir, le casque sur les oreilles, parce que c'est ainsi que j'ai l'impression, à titre personnel, de ressentir au mieux ce que le jeu essaie de me procurer par le biais de l'interactivité qui est le langage premier du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'avoir justement des approches nouvelles de cette manière d'approcher la peur dans le jeu vidéo, parce que ça offre des perspectives qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Ça veut dire que si tu pratiques un jeu d'horreur à plusieurs, ce qui n'est pas le cas a priori, tu aurais le sentiment d'être dépossédé de ton jeu. Ça m'est déjà arrivé de faire un Silent Hill à plusieurs. Alors je l'avais déjà fait le jeu une première fois, mais même par rapport aux expériences où quand j'ai refait le même jeu après tout seul, c'était très différent. Et pas moins enrichissant, ça peut être intéressant de voir aussi la réaction de la personne qui, elle, découvrait le jeu, par exemple, ou autre. Mais en termes d'implication émotionnelle, sensorielle, c'était moins fort, à mon sens. J'étais dans une autre perspective. Donc, j'envisage pas, pour découvrir le jeu, personnellement, de le faire à plusieurs. Mais après, ouais, ça peut être intéressant. Oui, vas-y, Laura, je crois que tu veux dire quelque chose. Oui, justement... pour avoir fait aussi découvrir des jeux d'horreur à des gens en y jouant devant eux ou en leur laissant la manette, et puis justement Silent Hill 2, pour ne pas le citer, il y a quand même aussi ce plaisir on ne bizute pas tout à fait la personne, mais on la regarde jouer et on se met un peu de côté vis-à-vis de la peur, parce que nous on sait exactement ce qui va se passer quand on est dans la position de la personne qui a déjà vu le jeu, quoi. Donc il y a aussi ce truc de connivence, de faire rentrer l'autre un peu dans son monde, dans une expérience qu'on a aimée, qu'on a peut-être aussi envie d'en parler derrière, etc. Mais on ne peut plus vivre la peur de la même façon. Enfin, voilà. Et pareil, Silent Hill 2, c'est un de mes jeux préférés. J'aurais jamais vu Mira, donc une des fins spéciales avec le chien. Si je n'avais pas été en ligne, regarder toutes les fins possibles, parce que clairement, moi, j'ai trop peur pour y rejouer de façon hyper sérieuse et refaire toutes les fins, parce que... Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant en plus cette histoire de multiples fins, parce que justement moi j'y réfléchis beaucoup. Parfois j'ai envie de savoir, mais j'ai pas envie de refaire le jeu d'une façon différente que je le ferais d'instinct. Parce que, en plus, à plus forte raison sur la peur, où c'est quelque chose justement de très instinctif et de très personnel et de très intime, je trouve, malgré tout, malgré le fait que je fasse des trucs intimes avec des centaines de personnes, c'est étrange, dit comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me forcer justement pour avoir ce côté complétionniste, mais j'ai quand même envie de savoir en fait. Donc je suis curieuse, c'est ce qui pourrait me pousser aussi, effectivement, de la même façon que certains me regardent alors qu'ils ont déjà fait le jeu, de regarder quelqu'un d'autre y jouer, parce que quand j'ai aimé un jeu, et surtout en plus avec cette ambiance de peur, j'aime bien, je suis très curieuse, c'est pour ça que c'est très chouette de le faire à plusieurs aussi, c'est que je suis curieuse de voir qu'est-ce qui fonctionne sur les gens, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui me fait peur à moi mais qui leur fait pas forcément peur à eux. On a beaucoup ça par exemple avec l'essor des jeux autour des backrooms. C'est hyper intéressant de voir que les réactions sont multiples. Il y a des gens que ça angoisse totalement d'être dans un univers carrelé de piscine où il se passe rien. Y a des gens qui s'en foutent complètement, qui sont là, mais pourquoi, enfin, les locaux de la Cogip, c'est vraiment angoissant pour vous, enfin, voilà, j'ai eu l'occasion effectivement de faire des tables rondes à ce sujet-là, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que autour de la peur, je trouve que quand on l'expérimente à plusieurs, il y a aussi cette façon de comprendre la peur des autres et les leviers de peur des autres, parce que, en fait, effectivement, la peur, c'est quelque chose qui est très intime, indéniablement, mais nos peurs se construisent aussi grâce et surtout plutôt à cause des autres en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peurs qu'on a qui nous sont transmises. Je pense à des peurs un peu basiques comme par exemple la peur des araignées. Il y a plein de gens, je pense, qui ont peur des araignées, qui ne savent pas pourquoi, qui n'ont pas particulièrement eu d'expérience traumatique avec des araignées, mais qui se disent juste tout le monde en a peur, Donc, espèce de cerveau basique, on se dit, bon, bah, c'est qu'il devait y avoir un danger, donc moi aussi, je vais en avoir peur parce que ça va me préserver. Donc, du coup, en effet, effectivement, c'est intime, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que quand je joue à des jeux d'horreur avec d'autres gens autour, j'ai l'impression qu'on revient à ce truc où on peut discuter en disant pourquoi ça te fait peur, est-ce que t'es ok d'en discuter et de savoir pourquoi, moi ça aurait plutôt tendance à me faire rire, etc. Enfin, il y a des tas de choses comme ça, donc c'est, ça peut désamorcer à fond. Après, j'ai pas non plus la prétention de faire une espèce de thérapie collective autour de la peur, pas du tout. Mais il y a quand même un dialogue qui s'installe que je trouve vraiment super intéressant. Et selon les jeux, ça peut être très très varié, quoi. Ah, tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, effectivement, cette espèce de contraste entre le côté très intime qu'on a dans l'expérience de la peur et effectivement le fait qu'on partage énormément de peur avec d'autres personnes. Oui. Mais le principe est aussi que justement, il y a dans cette confrontation avec les éléments les plus profonds de la peur, l'impression qu'on se dévoile, et pas tout le monde a envie de se dévoiler, de se mettre à nu sur certains sujets, etc. Et donc par ce biais, la fiction, qu'elle soit vécue de manière intime ou bah, peut-être de manière collective aussi, est une manière de se projeter, de mettre un pas de côté pour mieux regarder nous-mêmes ce qui nous triture à l'intérieur, etc. Et donc c'est aussi ce qui est fascinant avec ça. Et ouais, ça peut être super d'aller dans cette idée du dialogue, en fait, sur mettons le doigt sur cette peur, d'où elle vient, d'où elle provient, pourquoi est-ce qu'on la ressent collectivement aussi. En plus, bon, après, je crois qu'on va y revenir, mais tu as évoqué la création même collective des éléments de peur, le plaisir de se faire peur à plusieurs avec les backrooms, avec les creepypastas et ce genre de choses qui sont, là, pour le coup, pas du tout des choses intimes à la base, quoi, qui marchent parce que, justement, elles sont créées collectivement. Pour prolonger le dialogue entre justement la peur intime et la peur collective, dans la pratique du streaming, c'est aussi une mise en scène de sa propre expérience, évidemment, de son propre jeu. Comment tu fais pour garder l'équilibre entre l'idée de préserver une forme de divertissement, puisque de plaisir, en fait, ludique, et de respecter, ou en tout cas de suivre le plus possible les temps de peur du jeu. Est-ce que tu, notamment par rapport à la voix, est-ce que tu travailles cette voix? Est-ce que tu fais en sorte de te réfréner parfois quand tu as les réactions? Au contraire, tu les accentues? Qu'est-ce que ça crée? J'adorerais répondre oui, absolument. C'est quelque chose que j'étudie très profondément en amont. Pas du tout. Tout est très très spontané. C'est-à-dire que c'est de la découverte complète. C'est-à-dire que moi, je sais pas où va me mener le jeu. Mmh. Je dirais que c'est plutôt au jeu de faire le taf correctement. C'est-à-dire que s'il y a un moment de tension qui arrive dans le jeu, encore une fois, je le disais, moi je suis assez réceptive. C'est-à-dire que si d'un coup je suis dans un espèce d'endroit vide et qu'il y a, je sais pas, bon, un bébé qui crie au loin, clairement je vais me stopper et je vais rester écouter et je vais voilà. Mais ça dépend aussi. Alors ça dépend des contextes. Ce qui est très marrant quand même, je tiens à le dire, c'est que les choses se font et les planètes s'alignent de temps en temps. Mais avant-hier, j'étais à Strasbourg dans le cadre du Festival européen du film fantastique pour faire une expérience de peur collective. Incroyable. Puisque j'ai joué à Dead Space dans un cinéma. Donc à la fois, il y avait des gens dans la salle, mais c'était aussi retransmis sur Twitch. Et donc, c'était vraiment drôle de voir que bah, moi j'entendais les gens réagir du coup en direct, chose que j'ai pas forcément. Alors je vois les gens qui réagissent dans le chat, mais c'est très différent d'entendre les gens sursauter littéralement parce que je me suis pas retournée suffisamment tôt pour tuer un monstre. Donc, et c'était là je dirais que c'était vraiment différent parce qu'il y avait un côté qui était super divertissant pour moi. J'avais presque envie là justement de provoquer encore plus de situations dans ce style pour vraiment effectivement faire sursauter tout le monde dans la salle. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on se racontait une histoire au coin du feu, quoi. C'était là où du coup le jeu rentrait peut-être un peu en second plan. Malgré tout, j'étais quand même investie hein, dans la narration, même si de toute façon au début de Dead Space on est vraiment sur des rails, donc il n'y a pas non plus énormément de choix cruciaux à faire. Mais ouais, c'est pas... oui, je pense que c'est important de laisser sa place au jeu et au moment de peur et tout, mais en fait ça, c'est encore une fois, c'est vraiment le taf du jeu, quoi. C'est-à-dire que si mon attention elle est captée par le sound design, par ce que j'ai moi en visuel ou ce que j'ai pas, bah effectivement je vais forcément plus me focus sur l'action. S'il y a de la tension permanente, effectivement, bah du coup oui, je vais être aux aguets et je vais moins lire le chat parce que, et là mon chat pareil comprend, c'est aussi un équilibre hein, avec le reste des gens qui regardent. Mais les gens vont comprendre que bah, ce n'est pas le moment de les lire et qu'il faut que je fasse attention parce que sinon je vais mourir, quoi. Pour prolonger cette idée que tu as évoquée sur le plaisir d'avoir peur et de prendre plaisir à regarder quelqu'un d'autre avoir peur, je propose qu'on passe la vidéo numéro 1, le fichier numéro 1 sur le doc d'Arte, s'il vous plaît. De France Culture. Non, de France Culture. Pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à se faire peur? Qu'est-ce que ça peut bien nous apporter? We think that people enjoy horror because they are able to learn from it. Marc Malmdorf Andersen est chercheur au Fear Lab, un laboratoire de neurosciences au Danemark spécialisé dans l'étude des recreational fears, les plaisirs de la peur. N'en déplaise aux maîtres du suspense, d'après leurs recherches, environ 50% de la population aime se faire peur. On distingue trois catégories d'amateurs de frissons. Adrenaline junkies. And they are people who really enjoy the feeling of becoming scared. They get a mood boost, simply. They feel better after they have seen a horror movie. The white knucklers, and they are the people that where their knuckles are all white from hanging onto the sofa. Despite the fact that they don't like becoming or feeling frightened, they still go through it because they feel like they are developing dark cobras who are horror fans that tend to use horror in almost an existential kind of way, where they use horror media to reflect upon their own life, that they tend to report both that they get a mood boost by watching horror, but also that they feel like they develop as a person. Damien, est-ce que tu te reconnais dans l'une des catégories? Je suis le Dark Cobra. Dark Cobra, voilà. Je deviens le Dark Cobra. Donc, mais après, c'est un peu caricatural quand même, ces trois profils. Donc, plus précisément, qu'est-ce que, par exemple, tu viens chercher dans l'horreur quand tu... Oui, bah, une approche existentielle, pour reprendre le terme de la vidéo, voire métaphysique sur certains aspects. Il y a un plaisir à l'horreur elle-même, mais... J'apprécie par exemple jouer à Resident Evil, pas pour les mêmes raisons que je joue à un Silent Hill ou à un Rule of Rose, pour citer une référence un peu plus obscure, qui sont des jeux qui, au-delà du sentiment horrifique ou du sentiment de la peur, vont toucher à des choses plus émotionnelles, plus psychologiques, qui vont en fait même bouleverser, hein, dans leur récit, dans la manière dont ils mettent en scène ce récit par le prisme de l'expérience de jeu, par le prisme du visuel, du son, de la musique, tous les éléments en fait qui mis ensemble créent cette expérience qui lui est propre. Donc oui, moi c'est ça que j'attends, mais ça correspond à l'ensemble de ce que j'attends dans une œuvre d'art en général, hein, c'est cette idée de s'enrichir d'émotions nouvelles, de s'enrichir d'une autre expérience, d'une autre vision de la vie, et de se confronter à des choses avec lesquelles on n'ose pas forcément se confronter, par exemple dans la vie réelle, quand c'est d'un point de vue strictement terre à terre, quoi, par exemple. Laura, est-ce que tu as la même approche? Qu'est-ce que tu viens chercher dans l'horreur en tant que joueuse et dans le cadre de tes recherches universitaires? Alors, c'est drôle parce que moi, je trouve que c'est une question ultra intime, en fait. Moi, j'aime bien la réponse 1 et la 3, en fait, en vrai de vrai. Hein. Je trouve ça toujours un peu joyeux de regarder un petit film d'horreur. Voilà, mais c'est des choses personnelles aussi. On n'en vient pas à l'horreur par hasard, je pense aussi. Et il y a un truc de recherche, peut-être, de sensations fortes, ou de confrontation un peu violente, entre guillemets, ou un peu frontale. Qui fait que, voilà, se retrouver peut-être entre amateurs d'horreur et les amateurs de films sont pas tout à fait les mêmes quand même que les amateurs de jeux, mais on a des thèmes et des discours relativement similaires. Mais après, on a des Pierre Bellemare, enfin, je veux dire, on a des gens qui sont super contents d'être là, et on a des Christophe Ondelat, enfin, on a des gens qui voilà, aiment le craspouille, mais différemment, en fait. Tu veux rajouter quelque chose? Ben, je pense que en fait le truc, c'est que c'est un peu dommage de continuer à voir le genre horrifique, que ce soit au cinéma comme dans le jeu vidéo, comme un genre vraiment à part, parce que moi je suis convaincue qu'il y a des récits dont on ne peut parler qu'à travers l'horreur, en fait. C'est-à-dire que l'horreur, c'est un levier, mais c'est aussi finalement une façon de toucher les gens. On n'arrête pas de dire c'est intime, c'est intime, c'est intime. Bah du coup oui, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'attraper les gens par ce levier-là. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, des jeux d'horreur, c'est, encore une fois, parce que je fais le parallèle, mais parce que je trouve que c'est important, mais c'est comme le cinéma d'horreur, il y en a des tas de styles différents, il y a des tas de portes d'entrée. Moi, il y a plein de sous-genres de l'horreur que je déteste et que je ne veux pas regarder, et que du coup, je ne me force pas à regarder, hein, clairement, de la même façon dans le jeu vidéo. Et j'aimerais bien, en fait, qu'on arrive à ne pas voir ça que comme il y a des amateurs d'horreur et puis il y en a d'autres. Enfin, il y a d'autres gens. Tout le monde, dans l'absolu, je pense, pourrait l'apprécier. C'est pour ça que moi, je suis vraiment toujours hyper contente de faire des jeux d'horreur en live parce que ben, là, il y a cette liberté. Les gens viennent voir. Si ça leur va, bah, ils restent. Et puis du coup, ils se disent « Ah tiens, finalement, c'était pas si horrible que ça » ou « Ben, prochain jeu d'horreur, je viendrai dès le début pour regarder ce qui se passe et suivre un peu mieux l'histoire. » Ou alors, ça va pas leur aller du tout. Et dans ces cas-là, ils savent que c'est définitif, l'horreur, c'est non. Mais en fait, à la fois, oui, c'est intime, mais moi, j'aime beaucoup prendre les gens par la main pour les amener et leur montrer que peut-être qu'il y a une façon de l'aborder qui leur irait mieux et qui pourrait en fait les libérer sur certains sujets, ou parce que oui, il y a un côté cathartique évidemment à l'horreur, donc je suis convaincue qu'on gagnerait à se dire que ben, en fait il est jamais trop tard pour aimer l'horreur, et que c'est pas un truc qu'on a pouf dans les gènes comme ça et que d'un coup on s'y intéresse et on tombe dedans et ça y est on regarde que ça. En fait on se pose beaucoup la question, là c'est marrant de voir, il y a on décerne trois profils différents qui aiment les cinémas d'horreur. Est-ce qu'on fait la même chose avec les cinémas romantiques ou le genre de trucs comme ça, où les gens finissent en larmes parce qu'il y a un amour impossible, que quelqu'un prend son avion et que le drama, bon voilà, bah... parce que c'est pareil, il doit y avoir aussi une... Bah, je sais pas, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est presque plus une torture mentale de regarder des histoires d'amour impossibles que de regarder un bon gros film d'horreur où tout le monde clame ça à la fin. Donc, je sais pas, disons que je pense que c'est une façon d'aborder les choses, mais... Tu te reconnais plus à travers l'horreur des jeux narratifs dont on parlait avant qu'à travers l'horreur des blockbusters, j'imagine. Oui, voilà. Oui, oui. Enfin, c'est vrai qu'après, moi, j'aime bien les vieux trucs en plus. Enfin, j'aime bien quand on voit les grosses ficelles. J'ai pas de problème avec ça. Laura, tu... Ouais, j'ai juste un truc parce qu'en fait, je pense qu'on est en train de dire un truc qui est hyper important. C'est non seulement c'est intime l'horreur, mais en plus ça vieillit ultra mal, peut-être. Et en fait, il y a des effets, il y a des choses, il y a des publics qui ne peuvent plus regarder certains films parce que c'est drôle, entre guillemets. C'est ultra polymorphe, mais ça tu viens de le dire. Et en fait, le problème, c'est que si ça fait plus peur, ça devient drôle. Et les comédies romantiques, personne ne va dire « Oh non, moi, ça me... » Enfin, tu vois, c'est rare d'entendre des gens comme toi, et tu as tout à fait raison. Il y a juste Gervais, et on ne peut pas dire « Ah oui, Sex and the City, vraiment, ça m'a effarée d'imaginer la vie. » Ça bouge pas. Je me suis sentie super représentée dans ces trentenaires new-yorkaises. Non, mais après, en fait, c'est pas... En plus, l'idée, c'est pas d'avoir du mépris pour d'autres genres et tout, machin, mais c'est juste que... Bon, c'est le retournement, tu vois. Voilà. Ouais. L'horreur, en fait, si ça fait pas peur, ça devient drôle. Et il y a même des gens qui aiment l'horreur, mais qui aiment rire de trucs atroces. Enfin, tu vois, il y a aussi ce cas de Grand Guignol, en fait, et qui est peut-être plus représenté. Enfin, genre, les films de cow-boy, ils vont pas se retourner pour devenir des films genre de comédie musicale. Enfin, oui. Il y a un truc. Ça peut se penser, c'est un appel. Il y en a des westerns comédie musicale. Mais après, oui, on a aussi dans le jeu vidéo, on a des trucs comme des jeux comme Content Warning ou comme j'ai plus les noms, l'autre truc où on est dans un petit vaisseau et on doit choper des trucs et les ramener au vaisseau. Bon, bref, j'ai plus le nom. Bref, donc on a des trucs qui sont Lethal Company. Lethal Company, merci. Où c'est drôle et ça fait peur. Ça fait aussi rire parce qu'on voit les gens qui ont peur. Donc il y a toujours un peu... en fait, ça exacerbe aussi un petit peu les sensations, quoi. Donc c'est pour ça que c'est chouette et que ça marche. Pour revenir plus en détail sur l'idée de peur et de rire mêlés, ou en tout cas qui se complètent ou s'annulent l'un l'autre, je propose qu'on diffuse la vidéo de Visage, s'il vous plaît. Fichier numéro 2. Et on en parle juste après. It's just the new resident. The crazy one. Yeah, he's nuts. Always on drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey! Watch her with the toasting remarks. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore! kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo! Big guy needs his sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell ya. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit. So that's what that's about. That's exactly right. We could have. Bien. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que la scène qu'on vient de voir arrive au moment où on ne s'y attend pas du tout, puisqu'on a déjà traversé ces couloirs et cette cuisine des dizaines de fois dans le jeu, et d'un coup, sans prévenir, les instruments, enfin le frigo et le micro-ondes et ainsi de suite, se mettent à parler. Donc évidemment, il y a un effet de surprise qui au début peut paraître évidemment plutôt comique, et très vite, il y a quand même un malaise qui s'installe, puisque tous les éléments de la cuisine disent prononcent des horreurs en lien avec les personnages et les meurtres du jeu. Ça peut faire écho notamment à une scène de fou rire dans Evil Dead 2, pour ceux qui l'ont vu. Justement, où est-ce qu'on se situe là? Comment on appréhende ce malaise? Est-ce qu'on est encore dans la comédie ou l'horreur, dont vous avez déjà évoqué tout à l'heure? Bah, pour moi, en fait, les deux se mélangent. C'est-à-dire que là, en plus, il y a un peu ce truc de nous rassurer. En mode, il y a de l'électroménager qui parle, ils font des petites blagues, ils se charrient entre eux et tout. Et puis en fait, ça commence à devenir quand même un peu bizarre, cette histoire, quoi. Un peu glauque. Voilà, et donc on a, c'est des trucs qu'on retrouve au cinéma avec des trucs genre Killer Clowns ou ce genre de choses-là, où au final, on reprend des trucs un peu... Il y a ça aussi dans Allô Maman, ici bébé, je crois que c'est, je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais été traumatisée parce que, par le monstre des toilettes et qui lui dit je vais manger ton pipi. Et puis bon, voilà, et en fait, c'est la cuvette qui part comme ça et je trouvais ça horrible. Et donc, il y a quand même, bon voilà, des éléments qui peuvent paraître rassurants, marrants, un peu inoffensifs et qui deviennent inquiétants. Pour moi, effectivement, oui, c'est une façon d'attraper les gens comme une autre en leur disant oh, regarde, ça va, c'est marrant, mais en fait pas du tout. Donc ouais, et ça on le retrouve, bah, je pense pareil quand on joue à plusieurs. L'idée, c'est de justement réussir à ne... Enfin, l'intérêt, c'est pas de se moquer. C'est-à-dire que moi, par exemple, je disais, voilà, les gens se moquent de moi quand je crie. C'est pas, ça reste très gentil, parce que je pense que c'est hyper important, justement, de pas casser cette espèce d'accord tacite de, OK, je suis vulnérable devant vous et je joue à un jeu d'horreur où je vais montrer que j'ai peur. Mais en fait, si vous vous foutez de moi, ça marche plus, quoi. Le contrat, il est rompu. Donc je pense que c'est pareil. Dans les jeux, il est important justement de respecter quand même le joueur ou la joueuse. Mais des mécaniques comme ça, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, ouais. Après, c'est pas quelque chose qui est très répandu, j'ai l'impression, dans le jeu vidéo, cette fine ligne entre comédie et horreur, alors qu'au cinéma, elle est très présente. Hein, il y a énormément de comédies d'horreur, de comédies gore même, qui arrivent à être à la fois flippantes par certains aspects et en même temps à faire rire. Hein. Et dans le jeu vidéo, bah, je ne vois pas énormément d'exemples. Ça pourrait peut-être une voie qui est de pousser, parce que je pense peut-être par exemple à Dead Rising, donc on est sur du jeu d'horreur qui a viré vers l'absurde de plus en plus au fil de ces épisodes, où de toute façon la manière qu'on a d'affronter les zombies, on va prendre tout ce qui nous passe par la main pour les éclater. Enfin, il y a un côté très comique. En revanche, le côté horrifique, terrifiant ou quoi, très peu présent à mon sens, et c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, hein. Et peut-être que ça pourrait être une voie intéressante à explorer. Après, peut-être que simplement les exemples ne me viennent pas en tête comme ça, mais sinon par l'approche que tu as toi qui du coup, sort même du cadre. Ou sur des jeux en de base, multi, quoi. Où effectivement là je pense qu'il y a plus cet aspect-là où en plus par exemple dans des jeux comme Content Warning, où donc l'idée c'est de faire le buzz sur Spooktube, donc en fait l'idée c'est de se filmer en train d'expérimenter des trucs horribles. Donc on va arriver dans un décor qui est en plus un peu expressionniste, très noir et blanc, contrasté et tout. Et donc on va se faire attaquer, mais on ne doit pas juste fuir ou essayer de survivre, on doit filmer ce qui se passe. Et ça marche bien parce qu'il y a quand même de la peur, mais il y a quand même des choses très drôles, puisqu'à la fin en plus on voit le mini-film et tout. Je pense aussi à des jeux comme The Dark Pictures, où on va avoir en fait la possibilité, alors là je parle plutôt quand on y joue à deux, on a un côté très un peu nanar en fait au final, c'est-à-dire que c'est des grosses ficelles du jeu d'horreur et du cinéma d'horreur, puisque c'est plus finalement monté comme un peu un film. Moi pour y avoir joué effectivement avec quelqu'un d'autre, c'était hyper intéressant parce que les lignes de narration n'étaient pas du tout les mêmes pour les deux persos. Enfin, il y a 4 persos en tout, mais voilà. Donc, il y avait ce truc où on se retrouvait, nous, actrices de ce qui se passait, à devoir raconter à l'autre, quand il y avait des moments en fait, de cinématique où on était séparés ou ce genre de choses-là, on se racontait en mode « Ouais, ben moi j'ai vu ça, c'était horrible, il y a machin qui a tué truc. » Et donc, la personne en face me racontait la même chose, enfin, des choses différentes, mais je trouvais ça intéressant parce que du coup on se retrouvait finalement vraiment encore plus actrice dans la narration et même dans notre rapport entre nous, quoi. Donc il y a des choses qui sont faites, mais je pense que ça doit être effectivement un peu difficile parce que dans un jeu vidéo, étant donné qu'il y a ce côté où on va jouer quand même, on a tôt fait de casser en fait vraiment cette espèce de limite entre les deux et ça devient juste un peu marrant et plus très horrifique. Et c'est surtout qu'en général, je pense que les jeux d'horreur traitent en plus parfois de sujets assez lourds. Enfin, là, du coup, je parle plutôt dans le jeu indé, ou enfin, même après dans des AAA aussi, bien sûr, mais c'est souvent des sujets sur le suicide, la dépression, ce genre de choses-là. Et du coup, c'est vrai que ça paraît parfois un peu compliqué de rajouter ce petit côté fun entre les deux. Disons que c'est compliqué, il faut réussir à maîtriser le truc, quoi. Alors, pour le coup, moi, je vais juste apporter une petite nuance. J'ai l'impression que des moments un peu drôles comme ça, là, comme ce qu'on vient de voir, en fait, moi, je suis vieille, donc moi, ça me rappelle Téléchat, ça me rappelle des trucs comme ça, avec des humanisations d'objets qui servent à dérouter aussi les spectateurs ou là, les joueurs, les joueuses. Il y a quand même un effet global de, mais en fait, on ne sait plus sur quel pied danser. Si jamais mon jeu qui est vendu comme un jeu d'horreur, où la couverture me dit c'est un jeu d'horreur, etc., le design, la couleur, enfin le grain, les valeurs, etc., de l'image me dit c'est un jeu d'horreur. Mais en fait, il se passe un truc assez drôle. L'acting était hyper exagéré là, dans les voix en plus de c'est ça qui m'a frappé, mais c'est aussi une formation professionnelle. Dans Visage, on ne sait plus où on en est. Mais de la même façon, au Mori, par exemple, ça commence ok. Soudain, ça fait peur. Soudain, c'est rigolo. C'est des amis. Mais en fait, il se passe des trucs atroces. Et l'expérience globale de jeu est quand même très déroutante. Pony Island, c'est rigolo, mais en fait, c'est pas rigolo du tout. Mais en fait, c'est un peu rigolo quand même si ça devient un peu effrayant et que les tableaux deviennent de plus en plus durs. Doki Doki, pareil. Enfin, il y a un côté. Bon, on s'attend pas au twist et puis finalement, il arrive. Mais finalement, c'est pas si pire. Et puis le dernier acte, il est ok. Et enfin, il y a quand même toujours et là, je pense que c'est tout à fait juste ce que tu dis sur le coup du mélange des genres, en fait. Enfin, ces mélanges des genres-là servent à offrir des expériences discordantes aux joueurs-joueuses. Et c'est super intéressant, en fait, ce truc où tu dis, mais merde, mais j'en suis où, en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je ressente? Là, je peux pleurer, je peux rire, je peux avoir un petit peu les deux en même temps. Enfin, là, c'est des sentiments seuls qui marchent bien. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais les gens qui rigolent, qui disent vraiment Silent Hill, ils n'auraient pas dû faire des fins avec des extraterrestres, c'est n'importe quoi. Ben non, en fait, ça apporte une espèce de dimension grotesque, drôle, absurde en plus, et ça aide aussi, enfin, me semble-t-il, hein, moi je trouve que ça aide aussi un peu l'horreur. Voilà. Oui, c'est une couche qui désamorce aussi l'horreur, mais qui en même temps peut la renforcer justement par cette distance que ça crée. Donc oui, carrément, c'est intéressant. Là, je repensais à un exemple qui a été cité dans une des tables rondes précédentes, qui est Alan Wake 2, effectivement, qui lui va jouer sur des moments très horrifiques et va avoir des moments qui nous déroutent complètement, avec justement l'image qui avait été montrée, donc de la scène de... tout en chanson, en musique, qui peut faire autant rire que questionner, que perturber. Donc ça reste possible, mais c'est vrai que ça reste, comme tu le signalais, enfin, le jeu vidéo avec son langage qui lui est propre, c'est compliqué de trouver, de dessiner un pacte en fait avec le joueur qui soit pas au moment où il est rompu, qui ne mettent pas tout en morceaux en fait. Et il faut peut-être dès le départ le projet se vende comme tel, c'est-à-dire se vendre comme quelque chose qui va dérouter. Et attention, il ne faut surtout pas se laisser berner par les premières règles qui vont être imposées, il ne faut pas hésiter à les briser. Puis on voit que les gens ont du mal un peu quand ça mélange trop de genres. Enfin, j'ai l'impression qu'au cinéma, on a peut-être un petit peu plus cette liberté-là, mais dans le jeu vidéo, on a le problème d'avoir des gens qui sont très conservateurs et qui n'aiment pas trop quand on teste des trucs différents. Autant sur insuffler des éléments d'horreur dans certains jeux qui ne le sont pas forcément... Je dirais que je suis mitigée parce qu'en fait, je trouve que l'horreur, c'est un peu un pacte aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus de prendre les gens en otage. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être confrontés ni aux thématiques, ni à l'esthétique de l'horreur, etc. Et ça, je peux complètement l'entendre. Mais je trouve que ça va devenir en plus, quelque part, de plus en plus nécessaire puisque on a des gens qui sont de plus en plus rompus à l'horreur, c'est-à-dire que sans forcément être blasé, bon ça moi je comprends pas trop en plus le côté de se faire une fierté que d'être insensible à l'horreur, enfin bon voilà, ça c'est un autre débat mais c'est un truc qui me consterne un peu, mais je pense qu'effectivement on a de plus en plus de gens qui connaissent un peu, savent comment ça se passe, donc on va être obligé d'insuffler des choses justement un petit peu différentes pour continuer de les surprendre. Parce que, bah oui, c'est normal et assez logique que les gens commencent à avoir un peu plus d'exigence aussi en se disant, bon voilà, ça on l'a déjà vu, on sait comment ça se passe, etc. Oui, il y a un côté, ça sera quand même divertissant et ça peut quand même faire plaisir, mais on a quand même envie d'avoir des choses un peu nouvelles. Et je pense que de croiser ça avec d'autres genres, que ce soit effectivement le côté un peu comique ou même juste le côté étrange, le jeu Mondone était évoqué plus tôt, c'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé. Je suis même pas sûre que j'en parlerais comme un jeu d'horreur uniquement, enfin je trouve ça du coup hyper réducteur et j'aime bien moi les jeux dont on n'arrive pas forcément à définir le genre directement comme ça parce que en fait c'est juste lynchien, donc ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont effectivement faire peur, ou d'autres c'est plus le malaise, d'autres c'est très drôle et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est la multiplicité de ce qu'on peut ressentir et dans le jeu vidéo ça s'y prête vraiment hyper bien puisque en plus on doit, quelle que soit la forme du jeu, mais explorer quand même, donc du coup ça va en général révéler notre rapport à une émotion un peu différente, donc oui, moi je suis complètement pour mélanger un peu. En plus, ça fait appel à des trucs un peu oniriques où dans les rêves, il se passe des trucs super bizarres, très inquiétants, où à la fois on peut être rassuré par un truc qui ne l'est pas du tout et puis inquiété par un truc qui paraît complètement normal. Enfin, donc, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. À propos du rapport ambivalent à la peur, on peut peut-être aborder le cas Dark Souls et diffuser le troisième extrait, s'il vous plaît, en régie. Parce que Damien, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas une expérience très collective de la peur, en tout cas la plupart du temps, mais Dark Souls c'est aussi un jeu qui est basé sur l'interactivité avec sa communauté, ne serait-ce que pour les wikis, ceux qui veulent un petit peu comprendre les quêtes, s'ils y arrivent, et puis pour l'aide en combat évidemment. Dark Souls, est-ce que c'est un jeu qui fait peur ou est-ce que c'est un jeu qui est basé sur l'idée de performance selon toi? Oh. Ah oui. Tu n'as pas parlé d'un extrait, ouais, voilà, si. Voilà. Ah, voilà, parce que non, You Died, évidemment, c'est vrai. C'est juste à l'extrait. Voilà, non, c'est juste un visuel. Mais c'est devenu presque un mème, et on a tous vu cet écran des millions de fois. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas insensibilisé à ce rapport à la mort, quoi, à l'échec, finalement? Parce que quand on recommence la même chose des dizaines de fois, comment est-ce qu'on est encore désarçonné par ce qu'on fait? C'est une question très philosophique en vérité. Alors, pour pas paraphraser le créateur des Souls qui répète toujours la même chose en interview au point que c'en est usant, que lui, il cherche à faire ressentir un sentiment d'accomplissement, donc justement par la répétition de l'action, réussir à se dépasser, à se surpasser. Et c'est quelque chose en vérité, si on va au-delà juste de cette question de la performance, qui est inséminé dans l'ensemble des éléments du jeu, et y compris dans sa dimension horrifique, parce que les Souls, sur plein d'aspects, renvoient à des dimensions horrifiques, à la fois dans les représentations visuelles, dans le rapport à la solitude, dans les chaînes le rapport entre macrocosme et microcosme, la position qu'on a nous là-dedans, les dédales qu'on va parcourir, le rapport à la descente aux enfers, puis même la montée au paradis, selon la symbolique qu'on peut y trouver dans certains jeux, le rapport à l'horreur Lovecraftienne aussi, hein, l'horreur cosmique qui est très exploitée dans les Souls, dans Bloodborne en particulier, mais aussi dans Elden Ring récemment. Et tous ces éléments-là, en fait, sont concomitants, ils travaillent ensemble, et ils sont en fait là pour nous aider à surpasser la peur. Donc, dans l'idée, hein. Après, c'est plus complexe que ça pour que ça fonctionne réellement, nous faire surpasser, vaincre nos peurs. Mais les Souls ont un rapport assez intéressant à la notion, dans le jeu vidéo, de sauvegarde. C'est-à-dire que dans les jeux d'horreur, quand ça a commencé, on avait cette crainte supplémentaire qui était liée au fait que on pouvait perdre sa partie si on mourait à un moment ou un autre, et on devait recommencer au dernier point de sauvegarde. C'était un des aspects qui était mis en avant dans le premier Alone in the Dark, qui était mis en avant dans le premier Resident Evil, où on avait carrément un nombre limité de sauvegardes qu'on pouvait faire. Donc il fallait qu'on sauvegarde avec des machines à écrire, donc avec des rubans encreurs, qui étaient limités. Donc en gros, il fallait vraiment qu'on se dise, bon, là je vais sauvegarder maintenant, et je sais qu'après il va peut-être falloir que j'attende 45 minutes de jeu avant de pouvoir re-sauvegarder. Donc il y avait cette crainte supplémentaire qui s'ajoutait à l'idée, si je perds ma partie, je recommence. Donc il y a une forme d'angoisse par rapport à ce qui était exprimé dans les précédentes tables rondes qui était décuplée. Et ça a disparu avec l'arrivée des sauvegardes automatiques qui ont touché également le monde du jeu d'horreur. Notamment dans le jeu de rôle aussi, la fameuse touche F12. Et donc là, tu considères que ça fait barrage à la peur, parce qu'on sait qu'on peut recommencer. Je trouve que ça y joue. Ça y joue parce que les formes les plus profondes de peur ne sont pas liées à l'idée de perdre une sauvegarde ou de recommencer quelque chose. En revanche, l'appréhension, elle est renforcée par ce sentiment-là. Et donc l'idée de se dire, bon, là, de toute façon, s'il y a quelque chose qui me tombe dessus et que je meurs dans les 5 minutes, je vais recommencer juste avant la salle d'avant, donc je m'en fiche. Dans l'absolu, on perd un peu cet aspect-là. Il y a la pression aussi de l'autosave, c'est-à-dire que quand on voit le jeu qui commence à autosave, on se dit, ah, qu'est-ce qui va me tomber dessus, pression, et en même temps désamorçage par avance, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Ah là, il va y avoir un boss qui va me tomber dessus, ou je vais faire attention. Donc quelque part, ça a un rapport assez ambigu avec la peur par cette mécanique de jeu. Et Dark Souls, lui, en fait, a joué sur l'idée de, en fait, il n'y a pas de sauvegarde, ou plutôt le jeu sauvegarde tout le temps. Mais comme la mort n'est pas un aspect définitif, mais au contraire, même si elle nous fait recommencer plus tôt, on ne perd pas tout ce qu'on a exploré. En fait, c'est comme si le jeu continuait, juste il nous remet un point avant, mais si on a déjà exploré par exemple des zones annexes, on n'a pas besoin de le refaire. Si on a trouvé des objets qui nous intéressent ailleurs, on peut reprendre la ligne droite et aller tout droit pour retourner là où on est mort, et récupérer d'ailleurs nos équipements, enfin, qui étaient sur place, avec pour le coup le risque de les perdre si on remet une deuxième fois avant d'y aller. Donc il y a aussi cette appréhension qui est restée, plus le fait que c'est sauvegardé constamment, on n'a pas le droit à l'erreur. On se dit vraiment chaque pas compte. Il y a cette impression qui est assez intéressante. Donc, tous ces éléments-là sont concomitants, comme je le disais, pour aller vers cette idée de dépassement de soi, et donc de dépassement des formes de peur qui sont transmises par tous les éléments à la fois symboliques et dans le game design, qui est cette difficulté qui, de base, nous paraît insurmontable, et qui, en fait, dès qu'on se plonge dedans, qu'on se dit non, je vais m'impliquer, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de moyens de contourner cette difficulté pour rendre les choses beaucoup plus faciles d'accès et beaucoup plus simples. Et donc, du coup, c'est là qu'on voit vraiment notre progression. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. Non, mais... Laura, je vois que tu voulais dire quelque chose. Ouais, en fait, tout ça, ça fait partie des éléments effectivement écologiques, du game design, qui sont des éléments culturalisés, en fait. Encore une fois, on revient sur le fait que la peur, elle soit toujours liée à ce qu'on sait. Et comme disait Dolly, si tu vois que ça sauvegarde, tu dis « Oh mince, là, il va m'arriver un truc ». Si tu vois un jeu où il y a un petit panneau du genre « ce jeu parle de tel thème, est-ce que vous voulez toujours y jouer ?», là aussi, c'est un espèce d'élément un peu en dehors de la narration, mais qui participe à cette appréhension. On a quand même toujours aussi des mécanismes de peur, genre, là tu parlais tout à fait justement, Damien, des rubans encreurs, donc d'une ressource qui est finie. On a peur de manquer, alors qu'on sait, on sait très bien, alors qu'il était possible de finir les Resident Evil sans sauvegarder, etc. Enfin, il y a aussi des fausses économies ou des fausses pénuries qui crée aussi d'autres sentiments de peur, mais de peur de la ressource, enfin de conservation de ressources, etc. Et ça, en fait, c'est super habile d'avoir aussi ce genre de peur hors mécanique, mais écologique, de game design. Enfin, ça, tout participe à créer une appréhension chez le joueur, en fait, ou chez la joueuse. Enfin, je veux dire, il y a cette espèce de machin. Et Dark Souls, on sait quand on va jouer à un Dark-like ou à un Dark Souls aussi, qu'on va en chier, en fait. Enfin, il y a aussi ce contrat-là, culturel, oui. De frustration, ou pas, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, peut-être que les gens sont très très forts, et effectivement, il y a des gens qui finissent le jeu dans des conditions incroyables, enfin, en tout cas, moi qui me dépasse complètement hein, en tant que joueuse, mais il y a un truc qui est de l'ordre de ce qu'il y avait dans les premières bandes annonces de Paranormal Activity, par exemple. Oh là là, ce film fait tellement peur que... mais c'est un truc, les diaboliques. Attention, surtout ne dévoilez pas ce qui se passe dans ce film parce que les gens vont être... Il y a un phénomène comme ça, en dehors un peu de la narration, qui fait partie de ce que... on va vous offrir comme produit culturel. Quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que ça, c'est pareil, ça fait appel aux espèces de peurs qu'on se transmet. Parce que, en fait, je pense que il y a peu de gens qui abordent tous les Soulsborne de façon complètement neutre en se disant « ça va aller, franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Et c'est un peu dommage, parce que justement, je pense que ça participe à avoir une forme d'appréhension du jeu. Et du coup, je suis à peu près convaincue que ça affecte notre façon d'y jouer, parce qu'en fait, on y va avec ce truc de se dire « bon, allez, c'est pas grave, je vais mourir en boucle, etc. » Alors que, ben, on sait pas, en fait, on n'en sait rien. Moi, je trouve que c'est hyper important de laisser la place aux gens d'expérimenter le jeu comme ils veulent. Récemment, j'ai fait Blasphemous 2 et j'ai pu avoir des retours de gens sur différents boss qui étaient très différents. Des personnes qui sont restées faire du die and retry pendant 3 heures sur un boss, d'autres pas du tout, et je trouve que c'est hyper intéressant, et je trouve que ce serait effectivement chouette de laisser un peu plus de place. Alors bon, voilà, les Souls-like, ils prennent la place qu'ils prennent, et la commu prend la place qu'elle prend aussi. Hélas. Faut quand même le dire, et je pense que ça, c'est un gros problème, parce que moi, par exemple, c'est des jeux que j'ai beaucoup de la peur. Ma peur véritable vient dans le fait de les faire en live, parce que je sais que ça va être horrible. Ah, en plus, voilà, non, faut pas. J'essaierai quand même, peut-être, éventuellement, on ne sait pas. Mais il faut quelqu'un pour modérer. Vraiment juste, ouais, non, c'est ça. J'ai une super bonne équipe de modération, mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, on a parlé un petit peu plus tôt de Outer Wilds. Moi, c'est un jeu que j'ai détesté parce que je l'ai fait en live et qu'il fallait pas, parce que les gens sont horribles. Donc là. On voit justement en réel, en live, cette peur transmise de gens qui vont dire « Ah bah tu vas voir ce boss-là, tu vas en chier. » Bah laissez-moi en chier librement si il faut. Et dans quelle mesure le fait de me dire ça va permettre que j'en chie encore plus ? Parce que du coup je vais avoir peur, parce que du coup je vais me dire « Bah du coup je suis pas à la hauteur » ou parce que je vais me mettre un espèce de défi. Enfin, donc je pense que c'est... Et là aussi, encore très intéressant d'interroger les gens sur leur rapport à la peur, c'est-à-dire, on a l'impression en plus parfois qu'ils ont envie qu'on galère particulièrement parce qu'eux aussi ont galéré, et que si nous on y va facile et qu'on n'a pas de problème, ben, qu'est-ce que ça dit sur eux en fait ? Alors là, volontairement, je le genre au masculin parce que ça constate quand même qu'évidemment, voilà, le problème est quand même situé à ce niveau-là. Petite fragilité. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué de... c'est compliqué d'aborder ces jeux-là simplement, alors que je pense que, pareil, ils ont énormément de choses à raconter. Moi, j'ai fait Bloodborne et je l'ai fait en coop parce que j'avais pas envie de me faire chier, je vais vous dire ça simplement. J'ai commencé le jeu et j'y arrivais pas, et juste effectivement j'avais trop peur. Ça m'a bloqué tellement et j'arrivais pas, je voulais comprendre, je voulais voir, le jeu est magnifique, ça correspond complètement à ce que j'aime en termes d'esthétique, mais je sentais bien que j'allais pas réussir, et en fait en étant accompagnée et en le faisant avec quelqu'un qui connaissait bien le jeu, j'ai fait des visites Yharnam by Night, c'était parfait, c'était génial. Et moi, j'y suis retournée seule après. Comme en plus, j'avais envie de faire des photos du jeu et que c'est galère parce qu'il n'y a pas de mode photo et qu'il faut exterminer tout le monde pour être sûr d'avoir des beaux panoramas, et ben c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai continué, je me suis entraînée comme ça. Donc, du coup, encore une fois, bah voilà, parce que j'ai trouvé une autre porte d'entrée dans un jeu qui de base est un jeu d'horreur, mais que bah, moi j'ai presque un peu refusé l'horreur. Mais c'est une porte d'entrée qui est offerte par le jeu, et oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, en fait. Depuis le début, depuis Demon's Souls, il y a ce multijoueur asynchrone qui va jouer à plusieurs niveaux. À la fois, les joueurs peuvent laisser des messages pour les autres joueurs, histoire de leur donner soit des indices, soit s'ils sont pas sympas, pour leur dire de sauter dans un trou, et bon, voilà. Mais il y a aussi cette possibilité effectivement de se faire aider, ou au contraire de se faire envahir. Donc il y a vraiment un jeu sur l'aspect collectif qui est à portée de main et qui n'est pas indispensable. On peut très bien effectivement décider de passer de jouer hors ligne ou de s'en passer, de ne pas s'intéresser à cet aspect-là, mais qui est potentiellement là. Et c'est là où effectivement une partie de la communauté est détestable là-dessus, c'est qu'ils vont juger en fait les personnes qui vont utiliser ces aides, on peut appeler ça des aides ou autrement, ces outils plutôt, ces possibilités, qui sont offertes par le jeu, qui font partie intégrante de la philosophie du jeu. C'est pas un mode, et en même temps, même s'il y avait des modes, enfin vraiment, et les modes faciles et tout ça, on va pas partir dans des débats comme ça, mais on joue comme on veut, parce qu'en fait l'idée c'est de jouer. Donc, et oui, il y a cette possibilité-là, et oui, il y a des gens qui disent que bah, on triche en fait. Ça veut dire que le rapport à la peur, si je te suis, est conditionné à l'idée qu'on se fait du jeu avant même d'y jouer en fait. Bah parfois oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que je pense que pour tous ces jeux-là, ils ont une espèce d'image et de réputation qui les précède, qui ben, soit attire des gens, et je ne sais pas si c'est forcément toujours pour des bonnes raisons, soit rebute des gens pour des très mauvaises raisons, du coup, quoi. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas des jeux qui sont forcément extrêmement accessibles, ça, il faut quand même le dire, hein, de façon évidente. Il y aura des gens qui vont vous dire « Non, ils ne sont pas difficiles, ils sont exigeants », mais bon, ça, on s'en fout. Ça reste des jeux qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais... bah, j'ai l'impression qu'on cherche en plus à encore plus les enfermer dans un espèce de carcan de défis permanents et constants, alors que c'est des jeux vidéo en fait. C'est comme Cooking Mama, hein, Dark Souls, Cooking Mama, c'est jeux vidéo. Donc il faut se calmer. Hein. Ça vient du départ, parce que Demon's Souls, c'est un jeu qui n'a pas du tout marché, qui était un jeu de niche et qui a intéressé justement une partie du public très, très hardcore, qui était très content de voir que ce jeu-là allait à l'encontre de ce qui se faisait à l'époque dans le jeu vidéo, qui était justement l'idée d'assister au maximum le joueur, de l'accompagner avec des tutoriels, de l'accompagner avec des facilités dans plein d'aspects. Et donc c'était content d'avoir un jeu où justement on est obligé de se débrouiller par soi-même quelque part, et ensuite avec la communauté hors jeu. Et en fait, c'est un noyau dur qui est resté, et sur lequel le marketing autour des Souls a lui-même joué. L'une des premières bandes annonces Dark Souls, enfin quand ils ont fait l'édition pré-par Soudaï, justement, c'était ils montraient des morts à répétition. Regardez, vous allez mourir tout le temps, vous allez en chier. Et j'ai l'impression que ça s'est quand même lissé, mais comme la série n'arrête pas d'exploser en termes de réputation, et aujourd'hui, ben, je ne sais plus combien ils ont vendu d'Elden Ring, entre 20 et 30 millions, enfin, c'est absolument énorme, ben, forcément, cette réputation est restée. Elle ne touche pas tout le monde. Il y a de plus en plus de joueurs qui disent « Non, mais laissez-nous jouer comme on a envie », donc ça, c'est super. Mais ça reste présent parce qu'à l'origine, au cœur du truc, il y avait cette dimension, ce jeu qui n'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Et je comprends ce besoin d'exclusivité, mais bon, voilà, il faut... Laura, tu voulais réagir aussi? Ouais, c'est juste, en fait, l'horreur ne laisse pas indifférent, la difficulté ne laisse pas indifférent, le fait d'en avoir chier ne laisse pas indifférent. Et ces trucs-là vont nourrir une sorte d'élitisme hyper désagréable, de « bah moi j'en ai chié, donc forcément tu vas en chier, et en plus je te préviens, donc il va y avoir une angoisse de performance derrière ». Mais il y a eu des discours pareils aussi à gerber sur les Dead Space par exemple, ou des choses comme ça, ou les aliens, alors vous vous rendez compte, on va utiliser des micro-machins, enfin, il y a un truc de ce style-là peut-être d'une mauvaise connivence quelque part, ou alors d'un gatekeeping, du fait de moi je l'ai fait mais avec X difficultés, donc forcément je vais t'en mettre encore plus parce que... si moi j'y suis arrivé, c'est quand même vachement bien, et peut-être toi tu vas pas y arriver parce que je te juge pour X raisons, quoi. Et là, je pense que peut-être on verrait pas ça pour, peut-être qu'on verrait ça pour les trucs romantiques après tout, pour les comédies françaises, ou je ne sais pas, mais il y a quand même ce truc-là qu'on retrouve, ouais. Après, c'est amusant parce que ça correspond aussi au style de jeu. Là, on sort complètement du cadre de l'horreur. Excuse-moi, je finis juste là-dessus. Mais sur cette question du rapport à la difficulté, je pense ça m'est venu comme ça à Céleste, qui est un jeu extrêmement difficile. Moi, je trouve ça même bien plus difficile que les Souls. J'en ai vraiment chié dessus et j'ai même pas essayé de faire les voies B, C, D, là, qui était un enfer pas possible. Mais c'est un jeu qui, lui, pour le coup, a une communauté extrêmement bienveillante parce que le jeu lui-même va s'ancrer là-dessus, et en plus, ça a ajouté ensuite des options d'accessibilité qui faisait que bon, si on voulait le faire de manière plus simple, c'était possible. Mais c'est intéressant. L'approche est très différente. On se retrouve sur des de jeux très difficiles, mais qui ont, ouais, à l'arrivée, une portée qui est complètement différente, dans la manière dont on les réapproprie, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux que ta communauté soit quand tu crées ton jeu ? Est-ce que tu veux que tout le monde y arrive, que tout le monde en chie ? Est-ce que... Enfin, je veux dire, bon, là, je suis désolé, je vais faire mon universitaire, mais il y a Jesper Juhl qui a sorti un bouquin qui s'appelle « L'art de l'échec » il y a longtemps. Et on sait très bien que ça fait partie d'un certain plaisir. Et bah, moi, je suis hyper contente de voir des jeux comme Céleste, justement, qui... ou même Hades, hein. Hades qui n'est pas facile, enfin, moi je sais que je meurs, hein. Mais il y a quand même des options qui aident un tout petit peu et qui accompagnent aussi les progressions de chacun, et bah, ça c'est peut-être un tournant communautaire un peu différent, quoi. Voilà. Merci beaucoup, je suis désolé, je vous interromps tout le temps, mais finalement je suis là pour ça aussi. Merci à tous les trois, à tous les quatre, du coup, puisque c'était la dernière table ronde, donc vous pouvez les applaudir chaleureusement. Bien sûr, un immense merci à notre équipe d'interprètes de Trilogue qui ont fait un travail formidable cet après-midi. Et puis merci à vous toutes et tous d'être venus. Alors, le forum est terminé, mais le festival n'est pas du tout terminé. On est là jusqu'à lundi. On a tout un tas de jeux à vous proposer, plein de jeux qui ont été évoqués cet après-midi. Une borne d'arcade Silent Hill, de la VR d'horreur, plein de choses. Et ce soir, dans cette même salle, à 19h, un enregistrement en direct des Nouilles Rampantes, donc histoire d'horreur au rendez-vous. Si vous êtes dans le coin, passez, il y aura sûrement du monde, donc n'arrivez pas trop tard. Merci encore et puis bonne soirée.